La preuve, le voleur de poulet, il n'a pas d'aile. Mais il vole poulet. Allons-y, c'est ça, Betis. Quand il y a 300 de gros, bon, c'est fait ça, je rends la faute, sinon, t'as ça, on t'allait sur Gold. C'est qui au Gold de gros, à tout mêler à qui la faute, quand il est là pour vous dans l'Erix. On est ensemble. Quand il y a 300 de gros, bon, c'est fait ça, je rends la faute. Tout ça, bon, je vais expliquer. C'est compliqué. D'abord, Fonton, c'est KADJ302, ça c'est mon nom. Gros bord, c'est des grosses meufs. Les gros bords. Les bords sains, fesses. L'usage, vie, rien à foutre. C'est tout. Économétrie, mon QE. Comptabilité, mon QE. Micro, macro, stat, mon QE. Si ça peut Ferrari, dis-moi. C'est simple. Je sais pas pourquoi les gens n'ont pas compris ça. Économétrie, ils m'en foutent un peu. Micro, macro, stats, tout ça, ils m'en foutent. Ce que je recherche, c'est quelque chose que je vais faire qui va me rapporter assez d'argent pour pouvoir acheter Ferrari, les gros trucs, quoi, le bling bling. Voleur de poulet n'a pas d'aile, c'est dans un. Je ne sais plus c'est quel couplet. En tout cas, ça commence à un truc. Voleur de poulet n'a pas d'aile. Bon, c'est simple, hein. C'est une manière de dire aux gens que le voleur de poulet. Le poulet vole, mais lui n'a pas d'aile. Pourtant, il réussit à voler le poulet. C'est pour dire que tout ce que vous faites, vous avez votre stratégie. Peu importe la stratégie de l'ennemi, mais de l'adversaire, il faut appliquer. Si tu appliques bien ta stratégie, tu peux essayer de contrecarrer n'importe quelle stratégie. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un joue en 4-3-3 que tu vas jouer 4-3-3 pour le gagner. Non. Ton 4-5-1 que tu maîtrises, ça peut le gagner aussi. La preuve, le voleur de poulet, il n'a pas d'aile. Mais il vole poulet. Bon, merci à Dieu pour l'inspi, merci à Allah pour la porte. C'est normal que beaucoup de personnes n'ont pas compris parce que le beatmaker, il s'appelle Allah. Voilà. Et donc, j'ai fait un jeu de mots, Dieu et puis Allah. Donc, il dit merci à Dieu pour l'inspi, merci à Allah, le beatmaker, pour la porte qu'il m'a fourni. Voilà. Magmesti, on est ensemble. Retrouvez Christian Peace sur Twitter, KADJ à ce 10h. Ouais. C'est juste pour dire que j'en ai à la maison, je suis Christian en fait. À la maison, je suis sur mon téléphone en train de tweeter. Ce que vous voyez sur mon Twitter, c'est vraiment moi en fait. C'est ma nature, c'est mon comportement. Voilà. Alors que si vous voulez retrouver le KADJ, c'est seulement dans les sons. Sur Deezer, sur YouTube, sur des trucs comme ça. Sinon, dans la vraie vie, c'est Christian. La phrase, c'est l'argot me niquait, mais depuis que je dis j'ai coco, je ne vois plus mes défauts. C'est simple, hein. C'est depuis que j'ai chanté, on bat les couilles, ce qui nous a propulsé un peu plus. C'est dans cette phrase, dans ce son que j'ai dit. Oui, c'est vrai, il y a Coco. Et depuis ça, elle ne voit plus les défauts qu'elle voyait avant. C'est-à-dire, elle ne voulait pas. Quand les jeunes messages tombent sur moi, elle ne voulait pas. Mais maintenant, c'est elle-même qui se jette. Ah, la star mania, ça va aller. Easy, bang, bang. Paya! KADJ 302, gros bon, c'est fait. Voilà, on était avec Lyrics.